Salut à tous, on est au festival de Valberg, on est en direct. On fait un spectacle inédit, on est tous ensemble sur scène. On vient de passer avec Benji Dotti, on a fait Chevalier Las Palès pour introduire le festival. Et c'est, franchement, c'est un carton. On vous mettra la vidéo en ligne bientôt. Je vous fais une petite vidéo en direct pour vous faire partager un petit peu. Là, il y a Alexandre Barbe qui est au top, super humoriste qui est sur scène. Et allez, je vais vous faire voir un petit peu les coulisses. Si vous voulez raconter des bêtises, vous pouvez. J'ai les commentaires là. Allez, je vous dis. T'inquiète pas, Marc, ça reviendra à la mode. Ouais, ça. Enfin, tout ne va pas cartonner non plus, hein, mais. Voilà, là, il y a Anthony Joubert, on est en direct hein, sur Facebook. Je m'amuse, moi, je fais un peu de tout et n'importe quoi. Voilà, beaucoup de n'importe quoi. Oui, moi, je n'ai pas écrit de texte. Voilà, là, il y a Terry Cometti, on est en direct sur Facebook, c'est génial. Ouais, super, on s'éclate, c'est que du bonheur. Là, il y a Fanny Bermet, là. Là, il y a. Bonjour, voilà. Bonjour, sans dire rien. Salut, Marie, c'est de top, ça arrête de fou. Salut, les commentaires commencent à arriver. Il y a Anthony, bonjour. C'est pas tout à fait en direct, alors apparemment. Et là, vous avez Benji. Il y a Benji Dotti, là. On est en direct sur Facebook. C'est génial. Vous voyez, ça marche pas trop, hein, sans l'U et tout. C'est le top. C'est génial. Ah, c'est à toi? Oh là là, ça Benji Dotti. Vous allez voir, Benji Dotti, c'est le. Du. High level. Voilà, bon, ça va si vous avez des commentaires, des choses à dire. Alors, je vois. Ah, on nous adore, c'est gentil. Voilà, on a les gens qui nous. Voilà. Donc là, je vous montre un petit peu. Hop, je vous montre un petit peu. Arrête, vous n'avez pas compris. On va présenter maintenant un vrai artiste. Une imitation. Alors c'est vrai que j'ai fait Las Palès tout à l'heure sur scène avec Benji Dotti. J'aime bien ça. Alors attention, c'est Anthony qui présente là, en ce moment. Ça va être Benji avant pas longtemps. Là. C'est le top. Voilà. Bonjour à tous, je vois les commentaires qui arrivent. Je vous fais une petite vidéo comme ça, quelques instants pour voir un peu les coulisses. Voilà. Il y a du bon monde, il y a Patrice Lafont, il y a Smaïn, il y a Tex. Il est au pute. Non, il est parti. Il y a Tex, donc demain il y a Titoff qui fait son spectacle. Et là on fait la clôture en fait pour vous tenir. Voilà, on a fait nos spectacles toute la semaine, des extraits, des spectacles. Et là ce soir on est tous les humoristes du festival, on est ensemble pour faire un spectacle inédit. Donc voilà, avec Benji on a présenté en faisant Chevalier Las Palès. Donc là vous avez Alexandre Barbe qui vient de cartonner, excellent, formidable Alexandre Barbe. On est en direct sur Facebook donc on ne dit pas trop de conneries. Voilà, c'est le top. Et là, voilà, Anthony et Terry Cometti qui font un spectacle de 2 heures, là. Ils sont en showcase. Voilà. Je t'en prie, Jérémy, je t'en prie. De rien. Voilà. Je vous montre un petit peu la scène. Eh bien, lui est obligé de, pour gagner un peu du pain pour manger, obligé de faire des digitalisements de vieux. Hein, d'aller faire des sacs. Exactement. Voilà. Oui, une chanson de vieux. Regarde, c'est vrai. Regarde. Un petit grappier, regarde. Ma grand-mère rêvait d'aller en boîte. Et ben voilà. Voilà, alors on va démarrer. Tout n'a pas été préparé. Hein. Comme vous le constatez, le spectacle sera un peu inégal. Ah. On va en mettre un peu d'ambiance, quand même. Ça y est, voilà, il cartonne le public, voilà. Donc le spectacle durera 3h30 à peu près. Puisque c'est Anthony Joubert qui est sur scène actuellement. Tu la gestes, ta veste. Tu vas créer un pari, tu vas dire. Non, pas très envie, je pense, parce que... Oui, c'est pour bien sauver la salle. Donc je vois ça. Quand il arrive, vous vous levez. Standing ovation, parce que moi, il en aura une dans sa vie. Et comme ça, vous criez, nous, les Belges, tout le monde, qui est une ambiance de malade. Alors je me suis incrusté tout à l'heure sur scène. Alors on a fait Chevalier Las Palès avec Benji pour introduire la soirée. Mais ça a été un carton. Franchement, je ne me rends pas d'habitude. Je vous montre un petit peu Benji. Et après. Ah génial. Super. Ah super. Ah quel public. Salut Marion. Salut. Ça va?
crois qu'il a dit de se lever, hein. C'est pas au Téléthon, quoi, tout de même. C'est... Non, c'est super d'avoir un public de jeunes, vous pouvez pas imaginer. C'est vrai que pour gagner notre public, on se voit, on fait des trucs, ben, on y va. Moi, j'ai fait la croisière à 100 jambes de bois, je sais pas si... Levez la main ceux qui ont fait la croisière à 100 jambes de bois, je suis sûr qu'il y en a pas mal de vieux ici, j'ai vu. Alors, pour ceux qui connaissent pas, je vais vous expliquer comment ça se passe. Alors c'est très simple, au début vous arrivez sur un magnifique, tu vas faire pipi toi, ou c'est quoi le truc là-bas? Ah bon, non j'ai l'habitude, les vieux se lever souvent pour changer la couche, tu vois. Alors, que d'un pont, c'est... on est sur un très très haut niveau. Anthony Joubert qui passe derrière, évidemment. Salut, c'est un direct, les gens qui disent bonjour. Connaissons-nous, bisous. M'indique, qui c'est qui va sur ma page sur ma page Facebook. Allez, abonnez-vous sur Anthony Joubert et sur Lul. Sur Lul. T'es d'argent, on n'a pas d'argent. C'est TDC. Ce qu'il va faire un disque. Il va faire un disque et. Mais je chante pas. Ils montent sur le bateau, très curieux. Ils ont beaucoup de questions. Ils veulent savoir si le bateau est d'accord. Quand tu veux. Au bout d'une semaine, ils se tapent tout l'équipage. Notamment le capitaine du bateau, tiens, un bel italien, un ancien de chez Croisière Costa, vous voyez. Le style de mec qui couche et qui abandonne le navire, tu vois le truc. Alors bref, très gentil, il est monté sur la scène et il leur a chanté cette chanson. En bon, pas la musique de Jeff Dehors. De l'after après, on va aller manger à l'Ismaïn avec Patrice Lafour et tout. Vous m'entendez bien en fait parce que je parle pas trop fort. Il y a longtemps mes cheveux dans le les garçons de 16 ans, fait des changements, pourtant je fais de mon mieux pour paraître moins vieux. J'irai bien en faire un tour du côté de mes fans dans le Paris pour un jour. Je leur donnerai rendez-vous chez Eugène. Ah, donc là, Benji nous fait Dave. Fais gaffe, avec le choc, te déglingue. Hein. Allez, te mets sur les rotules. Hein. Très bien. Qu'est-ce qu'il y avait? Ah ouais, je me baladais dans le bateau, tu sais, je cherchais un petit peu dans le couloir des chambres, je t'emmenais avec Gérard Lenormand. Je croyais qu'il était mort, tu vois. Il me regarde, il m'a dit: voici les clés pour le cas où tu changerais d'avis. Ah, je sais pas que. Et alors, j'étais dans ce couloir des chambres. Ça faisait flipper, crois-moi, parce que la moquette était trempée et j'ai cru que le bateau coulait, tu vois. J'ai dit, c'est incroyable, personne ne dit rien et tout. Et puis non, c'est mémé qui avait vu Julio Iglesias au bout du couloir. Ah, je dit, oh, oui. Alors on fait des petits changements de dernière minute au niveau du sketch. Venez, je vais vous montrer l'autre côté. Non, c'est Michel qui a huitré tout, il avait tout. Et Julio Iglesias, tout content, au bout du couloir, sur une table, il signait les autographes sur les boîtes de Viagra et de Ténacouche. Et donc, tout fier, les mémés qui claquaient du dentier pour aller, il est tentant. Il dit oui, ok, alors je vais vous chanter une belle chanson. Julio leur a chanté ça. Ça, c'est un excellent mec qui dit. J'adore ce mec. Enfin, c'est vraiment un super festival. Pour les fous, je vous fais profiter un petit peu du spectacle. Mon sourire les attire, c'est mon âme. Mais lorsqu'elle prend la pose que je redoute, trois, quatre étoiles sur le lit, rien n'est en route. J'y repousse les formes, je ne vois rien paraître. Cette pose me fait toujours perdre la tête. Pour les pannes, j'ai une âme. Au Viagra, au vélo, et comme un âme, les diables me partent. Car vous et à tous les saints m'ont achevé la rêve. Merci, je vous montre encore un peu. Croisière achetant de jambes de bois.
Après, je vais vous dire. Alors, il y en avait un, il fait tout le temps la gueule sur Enrico Macias. Non, Marquis, il fait tout le temps la gueule sur lui. Je suis fatigué, j'en ai marre, j'en ai marre. Il fait tout le temps la gueule. Là, il y a des Roms qui l'avaient emmerdé avant d'embarquer sur le bateau. Il est monté, il était vénère, tu vois, Enrico Macias. D'ailleurs, il a dit je monte sur le bateau, je chante, mais plus de temps pour les Roms. Il aura chanté ça, écoutez. Incroyable. Comment ça va dans les pierres? Enfin, ce qu'il en reste, là. Allez, 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 allez. Faites moi les youyou. C'est bien, il était grand dans la salle, cette chanson est pour les rangs. Montre le micro, messieurs. Zaï, 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 zaï. Elles ont toutes la même tête, le foulard bien accroché. Elles le portent dans leurs bras à nouveau-né. Si par malheur tu t'arrêtes, au feu rouge t'es niqué. Ton pare-brise, elle va vouloir le nettoyer. Dans toute la vie, on se tape les mendiants au carrefour. Le père qui se tord la jambe, les enfants de chambre. La Roumanie vous rappelle, il faut toujours à vous. Alors, j'ai plus trop de batterie, donc je vais être obligé de vous laisser. Je vais essayer de recharger un peu le téléphone et je vous reprendrai après. Le spectacle va être trop long, hein, donc. Bon, je vous retrouve tout à l'heure. Ciao, ciao, bisous. Extraordinaire.